Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a vu la structure de chacun de ces profils, eh bien, on a là maintenant une dynamique. Mais pour comprendre ce qui se joue en termes de croissance ou de régression, on aurait en quelque sorte un espèce de cône, un niveau qu'on va appeler sain, un niveau qu'on va appeler moyen, et puis un niveau qu'on va appeler malsain. Et qu'est-ce que ça veut dire ces flèches? Eh bien, vous les verrez toujours dessinées dans le sens de la désintégration. Le 2 se désintègre en 8 et s'intègre en 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Un 2 qui va mal, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au lieu d'être attentif à ses propres besoins, eh bien, il va surabonder d'attention sur le besoin des autres. Pourquoi? Parce que c'est en étant à l'écoute du besoin des autres qu'il va chercher à recréer ce lien, sortir du rejet, aimer, mais pas par choix, mais par devoir.